Allez, c'est parti. Alors Johan, présente-toi un peu, qu'est-ce que tu fais ici au club? D'accord, donc aujourd'hui tu vas nous expliquer un peu quelles sont les nouveautés cette année pour l'équipe au niveau de l'entraînement, de la préparation physique. Cette année c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, même si l'année dernière c'était déjà pas mal, mais beaucoup de choses qui ont changé par rapport à la préparation physique, par rapport aussi sur le terrain, on travaille beaucoup plus de choses qui sont importantes pour le week-end, pour le match, beaucoup d'évasion qu'on faisait pas avant, ça nous sert beaucoup le week-end pour le match. Il y a aussi la partie muscu qui qu'est-ce que tu veux dire par pas mal sur quoi tu travailles en muscu, ce que tu ne faisais pas les années d'avant par exemple? Sur l'haltérophilie, enfin, on est en train de travailler, mais je pense qu'on ne travaille pas aussi bien que cette année, c'est vraiment un accentu là-dessus et je pense que tu vas en progresser, c'est vraiment bien. Ok, qu'est-ce que toi personnellement, sur quel domaine tu trouves que tu as progressé cette année? En plus, je pense que j'ai progressé dans tous les domaines, on a mis les squats, l'haltérophilie, développé couché. Ok, enfin pour finir cette interview, qu'est-ce que tu aimerais pour l'avenir, sur quel domaine aimerais-tu axer la préparation physique ou ta préparation physique à toi? La préparation physique personnelle, continuer à travailler dans ce sens-là et à progresser sur mes marges, mes pertes en développement en muscu. Mais bon, je pense que si mes marges sont continuées à travailler comme ça sera facile. Ok, ben merci Yohan.